Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet. Certes, mais aussi d'une exclusion Kane qui vient égaliser et inscrire un doublé égalisé. Il y en a encore, il y en a encore. Attention, mais c'est pas possible. Et attention encore une fois au second poteau, le doublé. C'est beau, il a frappé Messi. Oh, c'était beau. C'était beau dès le départ avec cette ouverture majeure. La passe serait poursuivie par Daniel Alves. La frappe de Pigos. Oui. Pour l'instant, cinquième minute de cette seconde période. De Maxwell avec la tête de Thiago Silva. Encore et derrière. Zlatan Ibrahimovic. Thiago Silva Ibrahimovic. Oh, l'ouverture du score. Il n'y a pas de hors-jeu pour Branislav Ivanovic. Oh, Costa. Qualifier les Blues à la 81e minute. Et c'est Lavezzi qui frappe ses corners. Ah, oui, oui, c'est la balle avec le Midwiz qui est venu percuter ce ballon. Écoutez. Avec le centre de Sidi Bien rentré. Bravo. Et l'ouverture du score. Voilà, deux triomphes consécutifs. Le dernier pour une passe décisive de Djibril Sidi Bien. Au Juligno. Au Benzema. Oui. Ça y est. Bon centre de Benjamin Mendy est doublé pour Olivier Giroud. Ok, cette saison. Et il y parvient. Sidibé avec cette montée du latéral et l'ouverture du score pour Harry Kane. 9e minute. Et ça passe. Et ça passe pour Olivier. Oh là, attention là. C'est Lloris. Oh là là. Et voilà, il était bien sorti. Okay. Et Alberto Dramatique. Gilardino qui. Centre de Mathieu. Avec l'appui, la frappe. Il n'y a pas d'enjeu. Voilà, avec Frédéric Piquion. C'est le moment pour Paris. Ouais. C'est le moment pour Paris. Avec Thiago Silva. Que ça arrive peut-être au fond avec Achille Emana. Et le mandat. Et nous. L'ouverture du score au meilleur moment possible, encore une fois face à Lyon. C'est Elmander le Suédois qui vient faire la différence. 89e minute, Toulouse 1, Lyon 0. Là, Monsieur Chaperon, la vitesse de Collet, ce sera un face-à-face avec Landreau. Et le deuxième but niçois, le but de Bakary Collet. On en reparlera de cet avantage ici par Monsieur Chaperon. Arrive à derrière, trouver la frappe de Matuidi. Celui qui vient tromper Victor Valdes. Et il est parti ce corner monégasque, tête de Koller. Et but. Ah, il a fait la différence d'entrée, le géant tchèque. Il n'a pas eu à sauter très très haut pour prendre l'avantage. Coup de pied arrêté gagnant pour l'AS Monaco dès la deuxième minute. Monaco 1, Sochaux. Et là aussi c'est bon, même si le gardien luxembourgeois a été fleuri. Allez, c'est passé dans l'axe. Et pour l'instant, Chelsea reprend l'avantage. Le joueur et la frappe. Ousmane Dembélé, le pied droit, oh, le pied gauche, allez au bout. Et bien ce sera pas pour Dembélé, mais ce sera bien pour Djibril Sidibé. Et ce centre de Koufré, but. Et le deuxième but, le doublé. Oh, lui, ne manque pas la cible, Yann Kolar. Juninho, ça aussi c'est bon, tout dans la prise de balle de la part de Juninho, dans la surface de réparation, il va continuer son effort, centre fort. Et le but pour l'Olympique Lyonnais. Il est contre son camp. Ah, je pense. Mais on va le donner à Juninho dans l'esprit. Quelle malchance pour la Saint-Etienne. Et quelle chance, quelle réussite provoquée par Juninho. Ouais, cette tête et la parade de Landreau en deux tournants. C'est Djibril Cissé. 9e minute. Marseille enchaîne les corners. Et Cissé fait la différence d'entrée dans ce classique. L'Olympique de Marseille au Parc des Princes mène 1-0. Et le pied gauche de Jérôme Bretagne, Bourillon est monté, suivi par est surveillé, on le voit par Loric Sana. Oh, tout le monde a oublié, il n'y a pas de hors-jeu. Et il y a surtout là-bas, au second poteau, Peggy Louvindoula qui va égaliser pour Paris Saint-Germain. On avait parlé d'une petite erreur de défense peut-être pour l'ouverture du score marseillaise. Là aussi, il y a sans doute une erreur de défense. Un partout. On va suivre ce coup franc de la cour. Et encore une fois, Jeannot. Et non, cette fois-ci, Koulibaly va faire la différence. Et Koulibaly est peut-être en train de nous refaire le coup de la saison passée. Il avait déjà marqué. Il redonne espoir à Bollard. Il redonne espoir au Racing Club de Lens. But d'Adama Demont. Frappe de Johan Demont. Et en une minute,
Lens qui revient en hauteur et qui vient faire exploser le Stade Bollard. Elle est magnifique cette frappe. Elle a une trajectoire incroyable. Jérémy, je ne peux rien. Ce match a complètement changé d'âme. De partout. Et là encore, ça peut peut-être être utilisé par Dindan. Hors jeu pour Pieroni. Pas pour Dindan. Exceptionnel. Aruna Dindan. Ça fait 3 buts à 2 pour le Racing Club de Lens. Ce match a totalement basculé. Il n'est peut-être pas terminé, mais c'est un scénario incroyable. Et sur une jambe et demie, le talent de l'Ivoirien Aruna Dindan. On va se régaler au ralenti. Lens 3, Saint-Etienne 2.